Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure horrifique, bien évidemment, sur Resident Evil 7. J'ai hâte de continuer en votre présence, nouveau menu étant donné qu'on a commencé le jeu. Et bien évidemment, je vous conseille fortement de vous mettre dans l'ambiance pour chaque épisode, dont celui-ci. Fermez la lumière ou vos volets, si évidemment vous êtes dans le jour, hein, mettez-vous vraiment dans le truc. Mettez un casque ou des écouteurs, prenez de la bouffe ou de quoi boire et plongez-vous comme moi dans cette aventure totalement incroyable. On est parti, on continue, on charge notre partie. Souvenez-vous que c'était la merde, on avait retrouvé Mia. Mia qui était manipulée par un autre, comme disait Maître Gims, qui était passé dans cette maison auparavant. Et je lui avais mis un ou deux coups de hache. Voilà. Hein. Il s'avère que je pense qu'elle est infectée et donc qu'elle a un soin rapide, entre guillemets. C'est-à-dire que son corps les cellules de son corps, parce que je connais bien hein, tout ce qui est chimie, les cellules de son corps se régénèrent quasi instantanément. Donc là, ça va créer un problème. Hein. Si chaque coup de hache, ça passe pas, je vois pas comment on va faire. Puis bon, c'est ma femme. Un coup de hache, c'était pour lui dire, écoute, chérie, calme-toi, tout va bien se passer. Deux coups de hache, sécurité, quoi, tu vois ce que je veux dire? Attention quand même. Donc, on est parti. Alors là, ma voix, même moi, je l'ai senti partir. J'ai senti mon âme quitter, hein, pour cet épisode 2. J'ai senti mon âme quitter mon corps. C'est terrible. On est donc parti, les gars, pour notre épisode 2. J'ai toujours une petite tache de sang, hein. Je me suis fait mal à l'œil gauche, les gars. Je vous raconte pas, je me suis mal réveillé, je me suis cogné. C'était pas terrible. Oh putain, ça m'a fait déjà peur. Ça, c'est dingue. Vous pouvez vous dire, Mister B-Boy, c'est une chochotte. Alors, c'est vrai que sur les jeux d'horreur, vous avez pas tort. Mais il faut savoir que ce que je vous ai conseillé en début de vidéo, c'est-à-dire d'être en totale immersion, je le suis moi-même. Et souvent, je fais des bêtises. J'enregistre les vidéos, il est à peu près 2h, 3h du matin. C'est pas terrible, je vous l'avoue. Et j'ai des volets assez performants, ça fait qu'aucune once de lumière ne passe. Je peux vous dire que là, il est 16h, pour moi, il est minuit. On n'est pas bien. Et en plus, j'ai le casque relativement fort, on est encore moins bien. Donc, c'est parti. Je sais plus par où faut passer par contre, ça c'est terrible. Ah, j'avais récupéré ce qu'il y avait dans l'armoire. On va retourner là où il y a la porte qui était fermée au préalable. Oh là là. Je me sens rassuré avec une hache, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais qu'il y a Mia qui traîne dans les barrages et que c'est terrible. Oh là là. Ah, très sympa cette maison. Oh, elle me rappelle tellement le manoir dans Resident Evil 1. Alors, on va regarder la map. Donc, il y a une grande pièce à notre gauche. Jusqu'ici, nos sous-sailles. Et à droite, c'est la salle de bain. Mais non, on vient d'ici. On vient d'ici. Ok. Donc, faut aller où, alors? Ah, le fusible. Yes. Je viens de m'en souvenir. Oh, putain, dans le salon, en plus, c'est pas terrible. Et ça, normalement, qui dit fusible, dit lumière. Hein. Je connais bien. Déconnez pas, les gars. Je vais me caler dans un petit coin, là. Ok. Alors, c'est un fusible qui n'alimente aucune lumière, bien évidemment. Ça veut dire que je vais pouvoir appuyer sur le bouton du haut. Souvenez-vous. Oh là là. Ah oui, bah, je prends les coins... J'y vais mollo, hein. Ah, ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais... Mais t'aurais pas dû faire ça. Ça fait putain de mal. Je confirme. Ah putain, mais faut rester appuyé sur R2. Ah mais j'ai mal fait le truc. Ah non, ça c'est du cruciforme. Ça c'est du cruciforme. Mais retire. Retire ta mère. Je suis mort. C'est mon job. Je dois contenir. Je vais arrêter. C'est promis. Mais je dois tout brûler. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ma main? Je veux ma main? Bah oui, mais récupérons. Mais c'est dégueulasse. Attends. Ma main? Ok. J'ai récupéré ma main. J'aurais pas dû utiliser un soin. Putain, con que je suis. On est d'accord que là, je suis en train de me balader avec mon moignon.
à l'air libre, hein, littéralement, hein, on peut dire ça comme ça. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, j'ai mal, mais il y a pire dans la vie comme douleur. Hein. Ah ouais, non. Ah ouais, mais j'ai utilisé un soin quand même, hein, ça me dérange. Hein. Ok. On est encore dans une nouvelle partie de la maison. C'est terrible. Cette maison est terrible. Je suis tellement curieux de savoir s'ils vont faire tout le jeu dans cette seule et unique maison, parce que ça serait honnêtement phénoménal. Ça serait juste énorme. Ah ! Enfin ! Putain, aussitôt dans le jeu, je m'y attendais pas. Ok. Ah ouais, tu veux jouer à ça ? Oh putain, en plus, c'est Tani, il est remonté là. Les gars... Oh là, quoi ? Ethan, il est putain de remonter, les mecs. On va te soulever, Mia. Tu sais pas, toi. Hein. Non, parce que Mia, elle est sympa. Bon, à la base, elle a voulu me donner un coup de main. Hein, c'est parti en couille très très vite, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que t'as compris la blague chez toi. Mais là, attention, je sais pas ce qui m'attend. Ça va être dingue, 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 dingue. Oh là là. Attendez. Ah, mais c'est le grenier. Il y a deux grandes pièces. C'est incroyable. Oh là là. Ok. Oh ouais, bébé, je prends. Ok. Donc, de toute évidence, Mia, tu es infecté par je ne sais quoi. Tu es, je pense, même manipulé par un autre. 20... Quoi, 20 munitions? C'est énorme. Beaucoup, beaucoup. J'ai 30... 9? Oui, parce que je faisais le calcul dans ma tête. Wow! Ah! Ah! Oh putain! Ah merde! Ah, c'est. C'est tellement chaud de bien viser! Ah! Oh putain! Oh putain! Faut que je la tue, faut que je fasse quoi? Je sais rien. Rire. Hop, on met sur la blessure. Et je suis toujours blessé. Mais c'est trop dur à viser, c'est quoi ces conneries? Allez, ferme-la. Allez, ferme-la. Allez, ferme-la. C'est hardcore. Ah! Quoi? J'ai couru! C'est du fake! Ferme-la par contre. C'est impossible! Mais c'est trop. Ah! Corps! Waouh! Ok. Les gars, je suis en sueur d'ouf. Mais c'est grave hard! Faut que je vous explique. Je peux pas bombarder avec le pistolet. D'accord? Je suis obligé. Oh la vache! Je peux pas bombarder avec le pistolet, je suis obligé de... Il y a un temps, il y a un cooldown entre chaque tir, qui est quand même de 1 à 2 secondes. Bon, d'accord. Je vois pas comment faire, en fait. Je vois pas comment faire entre chaque balle. J'ai essayé de viser que la tête, ça avait l'air de la faire reculer un petit peu, de mettre une sorte de coup critique. Mais alors là, les gars... Et le problème, c'est que j'ai utilisé mon soin alors que j'avais presque rien. C'est terrible, c'est terrible. Comment faire? Est-ce que c'est possible de monter tout simplement? On la feinte et on monte. On essaye? On va essayer ça, les gars. Ça va peut-être nous faire économiser des balles. Oh là, je me suis perdu dans la porte là. Ok, on va essayer ça. Voilà, on descend. Oh putain, c'est Ariel. Quoi? C'est trop! Ah mais non, elle a cassé l'échelle! Hop. Oh putain, je me suis bloqué. Je me suis bloqué. Et il faut que je recharge une deuxième fois, c'est un plaisir. Je suis... Ta gueule, t'es une conne. Putain. Ferme-la. Putain, c'est le premier boss. Ok.
Oh la vache, donne-moi cette putain de tronçonneuse, Mia! Ok. Je peux rien prendre. Je ne vois pas quoi faire. Je ne vois pas que faire. Et si on passe par là? Bah y'a rien de plus et y'a rien de nouveau. Putain, mais prends cette putain de tronçonneuse! J'aurais dû courir ou pas, les gars? Bienvenue dans la famille, Titan. Oh putain! Il faut savoir que pile poil à ce moment-là, j'ai appuyé sur R1 pour me soigner. Oh la vache! Vous êtes fous, les mecs! Exactement au moment où j'ai appuyé sur R1, je me suis dit putain, j'ai un soin en plus, j'étais pas au courant. Alors c'était peut-être scripté, fallait peut-être appuyer sur R1, mais incroyable! Incroyable! Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Je crois qu'on m'a mis une montre pour voir mon état de santé. Mais je pense aussi être infecté, parce que il suffit pas de mettre la main sur ton moignon pour que ça fonctionne. Où suis-je ? Qu'est-ce que... Allez, debout, jeune paresseux ! C'est l'heure du dîner ! Qui êtes-vous ? Où est Mia ? Mange, c'est bon ! C'est pas que les rien capable de passer les bonnes choses ! Luca ! Ça devient lourd, vieux. Pose-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon grand. Bouge, allez. Vas-y. Oh merde, oh merde, oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ce enfoiré ne mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. Allez, vas-y. Oh, et merde! Je parie que c'est encore ce flic! Maudit poulet! Bouge pas, je reviens. Je pense qu'on est contaminés, les mecs, hein. Quand Mia m'a parlé, elle avait l'air d'être consciente. Bah, la mamie va pas bien. C'est quoi ça, ces bruits? Ok, on va fouiller tout ça. Je peux pas sauter par-dessus. Ok, Nico bricolage. Une scie, une corde, un collier de chien. 20 colliers de chien. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 20 chiens. 4 cordes, une scie. Sous total, ok. Ok. Elle a bougé. Mamie. Elle bouge. Elle bouge sa putain de tête. Ok, on se casse. Ok, il y a peut-être des trucs sympas. Ah. Ouais, non, ils ont fait barbecue, j'étais pas au courant. Ah, ça m'énerve les petites soirées comme ça là, sans mettre la famille. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris un buisson. J'ai pris un buisson, on sait jamais. Un coup de plante, ça peut partir très vite. Ok, alors bougez pas, bougez pas. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que j'aurais pas à me soigner. Ok, je peux passer par là. C'est là où eux étaient passés. D'accord. J'essaye de voir par où je peux passer. On va fouiller ici quand même. Parce que je suppose qu'il y a des trucs intéressants. De type intéressant. Yes, des munitions de pistolet. Mais j'ai plus de pistolet. Et ça, c'est terrible.
Je vous confirme qu'ils ont vidé mon inventaire. 3 explorateurs urbains disparus. Les autorités d'État lancent un appel à témoins afin de retrouver la trace de 3 hommes venant de la Nouvelle-Orléans. Disparus après s'être rendus à la paroisse de Dulveil le 9 de ce mois. Les 3 hommes, Peter, André, bien évidemment le classique Clancy, sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendues hantées. Je pense, si vous voulez mon avis, qu'on va retrouver nos 3 Gugus quelque part. Une plante ? Ok. On peut faire quelque chose ici, d'accord. On peut faire quelque chose à cette horloge. J'ai retenu. On va peut-être pas passer par là. Oh là là, mais c'est quoi ce délire ? C'est gigantesque. Les possibilités sont totalement infinies. Ok, on va passer par ici. Il y a bien un petit bois de cajou là à ramasser quelque part. Ah bah non. Oui, bah j'utilise l'arbre un peu partout, ok. Là, on est reparti à l'ancienne, là, les gars. C'est pas Resident Evil 4, hein. Là, il y a de l'énigme, mon petit pote. Ok, il y a découvert. C'est pas très intéressant. Quoique. Donc, je dois passer par là où ils sont partis. Et il n'y a plus d'étage, là. Mais attends, vous avez disparu comme... Voilà, j'ouvre tout. On fait courant d'air. C'est jamais... Non mais il y a tout qui est fermé ici, c'est terrible. Ok. Ok. Ah, garage. La caisse a l'air fragile. Peut-être que je peux la casser avec quelque chose. Bah mets un coup de tête, cousin, je sais pas. Mais s'ils sont passés par là... Alors s'ils sont passés par là, je suis mort. Mais s'ils sont passés par derrière, je suis mort aussi. Donc on va y aller. Direction le garage. Ok. Le ruban adhésif est trop résistant pour être enlevé à la main. Ok. Surtout que ma main, les gars, attention, main fragile. Hein. Bon. Il y a un ruban adhésif, il y a toujours Mémé qui est bloqué, hein, littéralement. Oh putain. Oh, les longs couloirs comme ça. C'est verrouillé de l'autre côté. Oh, les longs couloirs. Je vais prendre un... Je vais flipper, je vous le dis. Cet homme maîtrise l'appel à la perfection. Qu'est-ce que je fais? Je dois partir. Frérot? Oh là là. Ok, je vois sa pelle. Ok, je crois que j'ai bien fait le truc, putain. Clé de la trappe, oh sa mère. Oh sa mère. Arnaud de sa mère. Ah, d'accord. Très sympa. Ok, on va pas regarder tous les portraits. Je cours, je me raccroche à la vie. Oh, trop bien. Vache, je fais quoi? Je vais où, les gars? Oh putain. Faut que je cours à la trappe. Ok. C'est l'autre psychopathe avec sa femme, ouais, ouais. Ce type a l'air vraiment arrogant. C'est le gamin, vous l'aurez compris. Terrible. Hop, on essaye une plante sur un malentendu. Je peux te sentir.
Faut partir, monsieur. Ok, je bombarde. Tu sais que je vais finir par te trouver, hein? Quand je te trouverai. Ok. Ok, je m'en sors plutôt pas trop mal. Oh là là, c'est pire que Némésis, ce bordel. Hein. Je vous avais dit, hein, premier épisode. Hein. Je te tiens. Oh putain. Oh, salut, mon gars. Trompé d'adresse. Ah oh merde. Oh putain. Ah. Je suis mort. Pauvre petit. Vache. Ok, j'ai ramassé ma jambe. Tu peux remettre ta jambe en place avec ça. Tu peux le faire. Ok. Je veux bien. Quel est donc ce remède miracle? Ah, il est sympa, il attend quand même que je remette ma jambe en place. Ah d'accord. Ok, oui. Oui, c'est vrai, ça marche bien. Impossible. Ah ouais, c'est que je suis... Ok, je suis contaminé, les gars. Faut mieux courir. Voilà, papa. Ok. C'est une deuxième chance. On se casse. Ok. Allez. Il va falloir faire mieux que ça, gamin. Allez. Oh putain, ma mamie. Ok. Oh la vache. Mais il est grave hard, le jeu. Il est grave hard. Ok, on continue, les mecs. Il est juste au-dessus. Il va pas me mettre un coup de pelle. Un coup de pelle, pardon. Ah, il fait super froid sous le sol, là. Ah, putain, il n'y a pas le parquet chauffant. C'est moi qui te le dis, mon pote. Hein. Ok, on continue. Alors, il faut savoir que dans la cuisine, vous savez, le petit morceau de cuisine, je pense que je pourrais ramasser quelque chose par terre. Mais je sais pas exactement quoi, donc on y retournera plus tard. Ça va me faire apparaître où, ça? Il est là. Hein. Je l'entends marcher à côté, les mecs. Hein. Info sûre. Hein. Putain, rien n'est laissé au hasard. Ok. Il y a de quoi sauvegarder. Plan de la résidence principale, d'accord. C'était donc juste une annexe. Oh la vache. Alors, le hall principal, très bien. Le garage est verrouillé, la buanderie est verrouillée. Il y a un système de door. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a un coffre. Oh la vache. Herbe, fluide chimique. Combiner des objets dans l'inventaire. Combat, on peut faire. Ah d'accord, avec de l'herbe et un fluide, je crée donc un soin. C'est pas mal. C'est putain de pas mal. Et tout ça grâce à ma montre incroyable qui me permet aussi de chasser des Pokémon. Ok, il y a quoi d'autre? J'ai un seul soin. Oh, on est dans le mal. Hein. Ok. D'accord. Hop. J'ai un crochet. Très bien. Attention, l'arme quand même. Beaucoup, beaucoup trop violent cette arme. Hein. On est parti, on sauvegarde les potes, on sauvegarde, et puis, je sais pas si on va continuer. Très, très honnêtement, je sais pas si on va continuer tout de suite, faut quand même avoir le cœur accroché. Ok, je décroche, sait-on jamais. Ah, il y a que quand il sonne que je peux... Ok, il y a que quand il sonne. Allez, raccroche, on arrête les conneries, Ethan. Ça va bien. Tu brûles le forfait. Ok.
Ah. Oh putain, j'arrive. J'arrive, je suis bien au téléphone. Oh là, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est Zoé encore? Allô? Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. D'accord, j'ai quand même de sacrés agrafes à mon poignet. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Vidéo certes court, mais c'est du Resident Evil. On va sauvegarder pas mal de fois. Il y a des trucs qui se mettent à bouger, putain. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde, ciao ciao.